Et bonjour à tous les amis, c'est Razi, votre gamer favori. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la boutique du jour de Fortnite du 9 mai 2023. Donc avec à la une le pack Wendel et Noisette. Avec donc Wendel, un authentique mordu d'alpinisme. Fait partie de l'ensemble Wendel et Noisette, donc disponible depuis cette saison et ce chapitre. Donc avec chez Noisette, c'est un accessoire de dos. Pas besoin d'être Noisette pour vivre dedans, mais c'est chez elle. Avec son alpinogriffe, laissez vos griffes sur les sommets. Et pour terminer, pour toi, Noisette, tu l'as bien mérité. Donc tout ça pour 1500 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, vous avez donc Wendel chez Noisette et pour toi, Noisette, pour 1200 V-Bucks. L'alpinogriffe pour 800 V-Bucks. Ensuite, alors tout est Eferia, une guerrière elfique de l'oasis des défunts. Doté d'une lame double, fait partie de l'ensemble Oasis des Défunts, saison 6, chapitre 2, avec ses deux customs différentes qu'on voit actuellement à l'écran. Avec son esprit cristallisé, c'est son accessoire de dos. Figé dans un songe, il y a des lustres, tout ça pour 1200 V-Bucks également. Le bâton cristallin de combat, un don des esprits des Oasis, c'est son outil de collecte pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack Cercle Obscur avec Death Demon. Tout le monde se baisse devant la Diablesse, fait partie de l'ensemble Cercle Obscur, saison 3, chapitre 3. Avec son Oculara, qui est son accessoire de dos, il observe. Furia, c'est son outil de collecte. Ne la battez pas sur n'importe qui. Donc c'est un pack rare. Avec son étoile pourpre, qui est son vêtement d'armes, qui est réactif. Et pour terminer, tatouage infernal, c'est l'écran de chargement, la marque des meilleurs, illustration par Ryan Smallman, tout ça donc pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Death Desmond et son Oculara pour 1200 V-Bucks. Le Furia pour 800 V-Bucks. L'étoile pourpre, c'est les revêtements d'armes pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack, le retour du pack Style Reptile avec Crystal, sa vision est aussi claire qu'elle, saison X, premier chapitre, avec Bronto, Herbivore, voilà, c'est encore un pack rare, Herbivore seulement sur le papier. Avec son brotosac du temps où les sacs étaient sur le monde, ça c'est son accessoire de dos. Le pterodactyle, c'est son petit planeur épique, saison 4, premier chapitre donc. Et la mâchouilleuse, c'est son petit squelette épique, donc ce soir au dinosaure, tout ça pour 1600 V-Bucks. Hors pack, vous avez Crystal pour 800 V-Bucks. Bronto et son brotosac pour 1200 V-Bucks. Le pterodactyle, qui est le petit planeur épique pour 1200 V-Bucks. La mâchouilleuse, outil de squelette pour 1200 V-Bucks. Également. Ensuite, vous avez survivaliste, une tenue rare de survivaliste rare, donc c'est une tenue rare, donc tout simplement saison 1 premier chapitre pour 1200 V-Bucks. Oblivion qui fait son retour avec ses deux customs, une vengeance sans relâche, c'est parti ensemble Oblivion, saison 4 premier chapitre. C'est un pack légendaire avec son déstabilisateur qui est un accessoire de dos, succombé au chaos, lui aussi il y a deux customs, tout ça pour 2000 V-Bucks. Donc la ventouse ninja, encore et encore. Encore et toujours, on s'accroche, saison 2, premier chapitre, c'est un petit outil de squelette pour 800 V-Bucks. Vertueux du disque, moteur ça tourne, saison 1, chapitre 2, pour 500 V-Bucks, le petit emote rare. Maître de la batte, fait des miracles sans même avoir besoin de batte, saison 4, chapitre 3, donc c'est petit emote série icône, donc pour 300 V-Bucks. La petite tape, c'est la petite emote aussi typique, les museaux, c'est fait pour ça, saison 3, chapitre 3, emote synchronisé pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de gain de niveau de la capitaine Hepati. Obtenez la tenue capitaine Hepati à l'achat et accomplissez des quêtes hebdomadaires pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes en obtenant des jetons de gain de niveau disséminés sur la carte chapitre 4 avant la fin de la saison 2. Chaque semaine, 7 nouvelles quêtes deviennent disponibles et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison le 9 juin. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque quête un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos, Kartos 3. Semaine 2, le revêtement soleil écarlate à partir du 9 mai à 15h, donc c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à 3h. Donc semaine 3, la pioche coupeuse cométaire à partir du 16 mai à 15h, c'est la semaine prochaine. Donc semaine 4, le style armure pour la tenue capitaine Hepati à partir du 23 mai à 15h. Donc voilà, accomplissez toutes les quêtes, 28 au total, pour trouver toutes les récompenses cosmiques. Voilà, tout ça pour 1200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le retour du pack excentrique avec saison 7, chapitre 2, avec le style au choix, avec guerrier ondulé, brise bariolée, serpentine, mordu de couleur, aurore éclatante,
Avec leur outil de collecte ondes bariolées, la teinture spiralée, c'est leur accessoire de dos. Et Abyssé Noué, c'est leur épandarme, tout ça pour 2600 évêques. Alors pas que vous avez guerrière ondulée pour 800 évêques, la brise bariolée pour 800 évêques, serpentine pour 800 évêques, mordu des couleurs pour 800 évêques, aurore éclatante pour 800 évêques également, l'onde bariolée qui est l'outil de collecte pour 500 évêques, la teinture spiralée, un accessoire de dos rare pour 400 évêques, et Abyss Noué, c'est le revêtement d'armes, tout ça pour 300 évêques, donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez sur le pack Luke Anakin Skywalker, donc avec Anakin Skywalker et son holocron des Jedi qui sont accessoires de dos. Le Super Soudeur, c'est son petit collect, c'est la série Star Wars donc. L'Intercepteur Jedi d'Anakin, c'est le petit planeur. La classe Actis, c'est le vêtement d'armes. Et l'Intercepteur Sublime Unique, c'est l'émoticône, tout ça pour 3100 V-Bucks. Le pack Padmé Amidala, avec Padmé Amidala et son éclat de Japor qui sont accessoires de dos. Le bâton royal de Naboo, c'est son petit collect. Le yacht de Naboo, c'est son petit planeur, tout ça pour 2100 V-Bucks donc. Ensuite, vous avez les packs soldats 212e bataillon et de la 500e légion. Donc, c'est deux clones. Donc, avec le soldat de la 500e légion et le soldat de la 212e bataillon pour 800 évêques, le pack du pack. Ensuite, vous avez les packs de revêtement des soldats clones avec 501e légion, bataillon Wolfpack, garde d'Asoka et 212e bataillon d'attaque. Tout ça pour 400 évêques. Donc, hors pack, vous avez donc Anakin Skywalker et l'holocron des Jedi pour 1500 évêques. Le Super Soudeur pour 500 évêques, c'est son outil de collecte. L'Intercepteur Jedi d'Anakin, c'est le petit planeur pour 800 évêques. La classe Actis, c'est le vêtement d'armes pour 300 évêques. Ensuite, vous avez Padmé Amidala et son éclat de Japor pour 1500 évêques. Le bâton royal de Naboo pour 500 évêques. Le yacht de Naboo, qui est le petit planeur pour 800 évêques. Ensuite, vous avez le pack Kylo Ren, avec Kylo Ren et la cape de Kylo pour 1500 évêques. La Vibrolame, c'est son outil de collecte pour 800 évêques. Le côté obscur, c'est sa petite emote pour 200 évêques. Le pack de la station de Skywalker avec Finn et la résistance qui sont accessoires de dos. Soda Sith avec son fusil blaster de Soda Sith. Rey et Slord of Jedi, tout ça pour 2000 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Ordre Épais avec Vibrolame, bâton anti-émeute et le bâton de Rey pour 1200 V-Bucks. C'est trois outils de collecte. Le petit pack planeur chasseur stellaire T du premier ordre et le Y-Wing qui est notre petit planeur de la résistance pour 1800 V-Bucks. Ensuite, hors pack, vous avez donc Soda Sith et son fusil blaster de Soda Sith qui sont accessoires de dos pour 1500 évêques. Rey et l'ordre Jedi pour 1500 évêques également. Le bâton de Rey, c'est son petit collet pour 800 évêques. Finn et la résistance qui sont accessoires de dos pour 1500 évêques. Le bâton anti-emote pour 1200 évêques. Le pouce levé de la résistance, sa petite emote pour 200 évêques également. Thread, c'est notre petite emote pour 300 évêques. Voilà donc. Ensuite, vous avez le soldat impérial, le Stormtrooper impérial pour 1500 évêques. Zora Bliss, c'est sa petite chasseuse de primes pour 1500 évêques. Le chasseur du premier round, c'est le petit planeur pour 1200 évêques. Le Greek Wing, lui pareil, le planeur pour 1200 évêques également. Le X-Wing de l'escadron avant-garde pour 1200 évêques, c'est le symbole de la résistance. Ensuite, vous avez le pack Boba Fett avec Boba Fett et son Jackpass Z6 qui sont accessoires de dos. Le bâton de Gaffy, c'est son petit collecte. Le vaisseau de Boba Fett, c'est le petit planeur et l'ordinateur de visée intégrée, donc enclenché, pardon, qui est mode intégré pour 2300 V-Bucks, le prix du pack. Hors pack, vous avez Boba Fett, le jetpack Z6 et l'imote intégrée pour 1500 V-Bucks. Le vaisseau de Boba Fett, qui est le petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le bâton de Gaffy pour 800 V-Bucks. Donc pack et hors pack, toujours. Ensuite, vous avez le pack chasseur de primes avec Fennec Sand et son blason de mythosaure, Kresden et son symbole du clan Hutt. Le vaisseau de Fennec, c'est le petit planeur. Et pour terminer, Télé la voix, c'est la petite emote pour 2300 évêques. Hors pack, vous avez Fennec Sand et le bâton de mythosaure pour 1500 évêques. Krasten et le symbole du clan 8 pour 1500 évêques également. Le vaisseau de Fennec, c'est le petit planeur pour 800 évêques. Télé la voix, c'est la petite emote pour 200 évêques. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Obi-Wan Kenobi avec Obi-Wan Kenobi et son nécessaire du désert qui sont accessoires de dos. La lame d'Obi-Wan, c'est son outil de collecte. L'intercepteur Jedi, c'est son petit planeur. Le message d'Obi-Wan, c'est la petite emote. Et pour terminer, Kenobi encerclé, c'est l'écran de chargement, tout ça pour 3000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Obi-Wan, le nécessaire du désert et la lame d'Obi-Wan pour 1600 V-Bucks. L'intercepteur Jedi, qui est son petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le message d'Obi-Wan, donc c'est toujours. Voilà, c'est toujours donc. La série Star Wars pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Luke Skywalker
avec son Landspeeder X34 qui est son petit planeur, le mini spider bike c'est son petit emote, le fusil en slim c'est son outil de collecte, après vous avez Luke Skywalker et la sphère d'entraînement qui sont accessoires de dos pour 2200 V-Bucks. Ensuite vous avez le pack Yen Solo et Leia Organa avec Leia Organa et son R2-D2 qui sont accessoires de dos, le bâton statique c'est un outil de collecte, le bâton en vibration un deuxième, Yen Solo et son Faucon Millennium, tout ça pour 2500 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Luke Skywalker et sa sphère d'entraînement pour 1500 V-Bucks. Le Landspeeder X34 qui est son petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le fusil en slim, c'est son outil de collecte pour 500 V-Bucks. Le mini spider bike, c'est son petit emote pour 500 V-Bucks. Yann Solo et le Faucon Millennium pour 1500 V-Bucks qui sont accessoires de dos. Les Organa et son RD22 qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks également. Le bâton statique pour 500 V-Bucks. Le bâton en vibration pour 500 V-Bucks également. Voilà, pack et hors pack, hein, c'était sur la série Star Wars. Ensuite, pour 12€, vous avez le pack de quête de transmission étrange pour 12€, donc avec Isaac Clarke et son ring qui sont accessoires de dos. Le UCG Ishimura, c'est un deuxième accessoire de dos. Le cutter plasma, c'est son outil de collecte. L'amélioration sur le plan, c'est sa petite emote. Et vous avez des quêtes supplémentaires pour gagner 1500 V-Bucks en accomplissant des quêtes qui sont fournies donc avec ce pack. Ensuite, pour 9€, vous êtes sur le pack Technofuturisme avec Neurolynx. C'est un pack épique, donc avec Neurolynx et Neurogriffeuse, accessoires de dos et outils de collecte. Label 4N43, la Sony Banane Assassin, avec l'âme Technobanane, accessoires de dos et outils de collecte. Le Tocnampule avec son autogen et ses autochanceuses. Ensuite, vous êtes sur le pack Légende Corrompue pour 8€, donc avec Arachné Corrompu, Présence Corrompue, Shogun Corrompu, chacun avec l'accessoire de dos, Longpad Corrompu, Échappe à Viseur Corrompu, Les Ailes Tranchantes Corrompues. Et l'écran de chargement légende corrompue. Après, vous avez toujours les chevaliers du coin restauration pour 2600 V-Bucks avec Surber, donc c'est un pack épique avec Surburger et son tranche steak qui sont accessoires de dos. La statue d'Angerienne, c'est son outil de collecte. Ziara le cruel avec sa cape de Ziara et sa trancheuse de Ziara. Pico la vaillante avec son rodage assaisonné, sa sachage piquante et le menu combo, tout ça pour 2600 V-Bucks, donc les amis. Ensuite, vous avez toujours pour 15€ le pack Royaume d'Écoy, donc c'est encore un pack épique avec Egiri, Assaillant d'Écoy et son contre-courant qui sont accessoires de dos. Les bâtons choquants, c'est son outil de collecte. Zéro bagarre d'Écoy avec son vide abyssal qui sont accessoires de dos. Et la trancheuse d'écailles, c'est son outil de collecte. Shiguza, agent d'Écoy avec son lapinou chanceux, ses écailles punitives qui sont outil de collecte. Le coil chanceux, c'est le revêtement d'armes. Et l'Écoy à attaque, c'est l'écran de chargement, donc tout ça pour 15€. Ensuite, pour 2200 V-Bucks, vous avez le pack Cyber Infiltration, donc avec Shiguza et son Lapino Getter, Megumi et son petit chien gardien, Yuki et le loup hacker. Et pour 1200 V-Bucks supplémentaires, vous avez leur pack outils d'infiltration, donc c'est leur outil de collecte, donc avec les mots tranchants, contestataire et la trancheuse. Et pour terminer, pour 16€, donc vous avez le pack Ned Éternel, donc qui vous donne accès permanent à la campagne de Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant un 4 quotidien dans Sauver le Monde. Terminez la défense du bouclier anti-tempête base 3 pour déverrouiller. Pour déverrouiller le pack et entamer ce pack de défis qui comprend donc la tenue nette de bouclier, l'accessoire de dos Kevin de la base et la pioche détecteur de kit médical. Donc voilà. Sinon, vous êtes en possibilité de souscrire au Club Fortnite pour 12€ par mois, les amis. Donc vous avez bénéficié de l'ensemble fidélité au club. Donc chaque mois, des objets cosmiques sont. Enfin, oui, tous les mois, vous avez donc les objets cosmiques qui sont exclusifs au club. Donc, tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif, si vous n'avez pas de combat, vous recevez 950 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks à la date de facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, c'est toujours Dahlia avec son accessoire de dos, son outil de collecte et l'écran de chargement. Donc, tout ça. Et vous avez aussi le Rocket Pass, pardon, de Rocket League. Donc, vous obtenez le pass premium. Donc, si vous jouez aussi à Rocket League, donc c'est vraiment sympathique cette boutique. C'est vraiment sympathique de souscrire au club ce mois-ci, donc voilà, avec tous ces avantages, voilà. Sur ce, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous avez plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, les amis, hein. Il y a beaucoup de vues, mais je sais pas, vous regardez juste la vidéo, mais vous oubliez de la checker, donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, c'est très important. De mettre le code, de marquer Brasier dans un commentaire pour savoir si on regarde entièrement la vidéo, parce que là aussi c'est très important pour le renforcement sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est en bas droite que tu peux le faire, c'est totalement gratuit. Tu appuies sur s'abonner, tu n'oublies pas d'activer la cloche de notification pour être notifié des prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu as le petit lien d'affiliation Instant Gaming, donc il faut que tu fasses un petit tour dessus, donc ça me ferait extrêmement plaisir, les amis, ça montre votre soutien, votre intérêt pour la chaîne.
Et si la chaîne te plaît vraiment, tu peux aussi souscrire à celle-ci. Donc voilà, pour moins d'un euro par mois. Donc les amis, ça aide vraiment, c'est encore du soutien. Et pour terminer, tu as le code créateur, bien évidemment. Brasien majuscule, minuscule, la boutique de Fallout, vous mettez accepté. Moi, ça m'aide énormément. Et surtout, ça me fait énormément plaisir de vous voir, les amis, de vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à venir quand je suis en live ou même sur mes rediffs de vidéos, les amis, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Franchement, ça me ferait un énorme plaisir. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Portez-vous bien. Et à bientôt. Bye bye.